une telle certitude. Enoch avec Élie monte dans le ciel tout vivant. À l'époque précédente, la première venue du Christ, les Juifs en étaient venus à distinguer dans le séjour des morts deux parties. L'une réservée aux impies, tourmentée dès le départ d'ici-bas, automatiquement fait son quitter terre sans Christ, ou aller directement dans le lieu de tourment, ou commencer à souffrir depuis là. L'autre réservé aux bienheureux et appelé paradis au sein d'Abraham. Jésus lui-même emploie ces expressions et donne des précisions remarquables sur le séjour des morts. D'après Luc 16, verset 19 à 31, nous avons déjà expliqué ce texte. Dès son départ d'ici-bas, le croyant jouit de la consolation et du repos. Une fois qu'on en fait ça, quitter terre, kounia, le croyant a joui de la consolation et du repos. Luc 23, verset 43. Aujourd'hui même, Jésus, n'est-ce pas, lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, pas année qui va venir, pas moi qui va venir. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Waouh! Tandis que l'impie, en pleine possession de ses facultés et de sa mémoire, souffre dans un lieu d'où il ne peut sortir. Cet endroit de tourment est pour lui comme la prison préventive. Il y attend la deuxième résurrection, le jugement dernier et la détention à perpétuité, qui sera l'enfer éternel. Waouh! Le séjour des morts n'est qu'un provisoire, le jugement dernier. Depuis le jugement dernier a fait ça, le fin fait, ce jour des morts n'a pas existé encore. Il est jeté dans le temps de feu avec ceux qu'il contenait. Ça veut dire, même ce jour des morts, vous pouvez le jeter dans le temps de feu avec ceux qu'il contenait, avec toute sa candale. Les gens qui étaient déjà dans ce jour des morts, puisqu'il a voué ce jour des morts jeter, tout le monde qui était dans le temps de feu jeter. Ça sont bail qui clair, qui simple et clair. Donc sous gué en boîte où j'étais fatra la donne, ben l'opral faut jeter ou une boîte là. L'opral faut jeter qui sont fait. Ou retirer fatra dans poubelle là. Ou jeter fatra ou kembe poubelle là. Mais gien des bagages ou pas jeter tout ou pas seulement jeter, retirer pour poubelle là dedans ou jeter ou tout jeter là tout poubelle là. Et ben c'est comme toute poubelle là. Et ben c'est comme ça les bras liés tout. C'est jour des morts, vous pouvez vouer le jeter. Tout le monde qui en dedans, il a voué le jeter. Puisqu'il a voué ces jour des morts jeter, tout le monde qui en dedans, il a jeté tout. Il est pour ainsi dire déversé dans l'enfer éternel qui commence. Apocalypse 20, verset 13 et 14. Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc la mort et le séjour des morts, parce que y a des morts qui étaient en eux. Et y a chacun jugé selon ses œuvres. Ni la mort, ni le séjour des morts. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Les morts qui étaient dans Yoa. Et yo chaque abjugé selon Zevio. Ni la mort, ni le séjour des morts. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Béni soit l'Éternel. La mort qui a fait mon crier aujourd'hui. Avec tout séjour des morts qui. Tout séjour des morts qui continue à recevoir mort. Qui pas jamais satisfait. Et mais la Bible dit la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Bon Dieu pas jeter ni la mort, ni ce jour des morts dans l'enfer. C'est la seconde mort. Le temps de feu. Donc, la GN tire son nom de l'expression hébraïque G-Inon, vallée de l'Inon. Matthieu 5, verset 22, 29, 30. Lisons ensemble Matthieu 5, verset 22.
Matthieu 5, verset 22, 29, 30, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que c'est lui qui dit à son frère, Raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que c'est lui qui lui dit, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne, c'est l'enfer. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Je crucifie texte ça pour dire si ces yeux droits, qui c'est pour une occasion de chute, Rachel, jette-le loin de vous. J'ai cru si c'est yeux droits qui pour moi, qui t'a causé chuter, qui t'a fait quitter l'évangile, Rachel, jette-le. Parce que les plus avantageux pour entrer, je suis capable de dire pour un seul homme pour périr, passer pour tout corps en entier, à le tomber dans la géhenne. Waouh! Verset 30. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, il dit yeux. Il dit, mais si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, qu'il est avantageux pour qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Waouh! Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28. Ne croyez pas que ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Le Christ que ça dit pour ne pas perdre monde qui est capable de tuer corps. Pas perdre monde qui est capable de tuer corps. Pas perdre monde qui est capable de tuer corps. Ça veut dire corps. Le corps capable de mourir n'importe façon. Mon Dieu qui permet corps mourir n'importe façon. Il dit pas perdre monde, pas perdre si là qui est capable de tuer corps. Mais il dit ouais, qui est tuer corps mais pas capable de tuer l'âme. L'homme sont être dichotomique, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Il a tué le corps, mais l'âme n'a pas tué. Et qui n'a pas tué, l'âme a dit, craignez plutôt. C'est pour une paix de préférence. C'est là qui a fait l'âme à corps à périr dans la géhenne. Ça veut dire, qui a fait l'âme à corps à périr dans l'enfer. C'est lui pour une paix. Waouh. C'est lui pour une paix. Matthieu 18, verset 9. Verset 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin. Verset 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Il dit mieux vaut ou gagner un seul yeux ou entrer dans le ciel là, passer pour gagner deux yeux. Voilà l'enfer. Matthieu 23, verset 15. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Verset 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Waouh! Parole Jean-Baptiste. Matthieu 9, verset 47. Matthieu 9, verset 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, plutôt entrer dans un monde avec un yeux, que d'avoir des yeux et d'être jeté dans la géhenne. Luc 12, verset 5. Luc 12, verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué,
allez pouvoir les jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Qui est-ce pour une paix? Qu'on y a noé moun plus paix moun qui gagne zam parce que moun nous paix bon Dieu. Est clair? Il dit, m'a montré qui est ton de père. C'est pour une paix si là qui après le fin tué, mais qui gagne pouvoir pour jeter dans l'enfer. Waouh! Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Waouh! Jacques 3, verset 6. Jacques 3, verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue étant elle-même enflammée par la géhenne. En cet endroit, tout proche de Jérusalem, on avait brûlé des enfants en l'honneur de Maloc. Donc, en raison des crimes qui s'y commirent, Jérémie 32, verset 35. Verset 35. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben-Hénon, pour faire passer à Maloc le fils et leur fille, ce que je ne leur avais point ordonné. Et il ne m'était point venu à la pensée. Qui commettait de telles horreurs pour faire pécher Judas? Waouh! De sa profanation par le roi Josias. D'après 2 rois 23, verset 10. 2 rois 23, verset 10. Le roi souilla ta fête dans la vallée des fils de Hinnon, afin que personne ne fût plus passé, son fils ou sa fille, par le feu en l'honneur de Moloch. Wow. Peut-être aussi à cause des inondices qu'on y brûlait la vallée d'Hinnon devint un symbole de péché, d'affliction. Son nom finit par désigner un lieu d'éternel châtiment. Matthieu 18, verset 8-9. Matthieu 18, verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, si c'est main ou bien pied ou qui t'a causé chuter, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans la vie, dans les lieux éternels. Plutôt que ou t'a coupé deux mains ou deux pieds ou passer pour aller dans l'enfer. Waouh! Verset 9. Si ton œil pour toi est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux et de jeter dans le feu de la géhenne. Waouh! Matthieu 9, verset 40. Marc 9, verset 43. Marc 9, verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. La géhenne est donc plus proche de l'enfer définitif que du séjour des morts provisoire décrit ci-dessus.
C'est aux scènes horribles vues dans cette vallée qu'on en pointa les images. C'est aux scènes horribles vues dans cette vallée qu'on en pointa les images représentant la géhenne de l'autre monde. Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, n'importe qui mette en colère contre frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par les Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Wow. Matthieu 13, 42. Matthieu 13, 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Wow. Marc 9, 48. Marc 9, verset 48. Marc 9, verset 48. Nous lisons ainsi. Où le ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Veille au pape, je mourrai. Édifié à pape, je m'éteins. Waouh! Coupurate édition Emmaüs. Peine éternelle. Châtiment éternel. Tourment éternel. Ces expressions désignent le sort réservé aux impénitents dans l'autre monde. D'après Matthieu 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Un mot d'usage plus courant est enfer, du latin inferior. Ce thème n'est pas dans la Bible, mais puisqu'il soit manifestement inspiré, Ephésiens 4, verset 9, Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Aujourd'hui, nous employons le mot enfer en rapport avec l'éternité malheureuse. Quelques thèmes bibliques de paix, les châtiments éternels. Bonnons-nous à en citer quelques-uns, sur 28 au moins. L'opprobre. La honte éternelle, Daniel 2, verset 12, verset 2. Le feu de la géhenne, Matthieu 18, verset 9. Le feu qui ne s'éteint point, Matthieu, Marc 9, verset 43. La fournaise ardente, Matthieu 13, verset 41, 42. Le lieu des pleurs et des grincements des dents, Matthieu 22, verset 13. Les ténèbres du dehors, Matthieu 8, verset 12. La peine des feux éternels, Jude 1, 7. L'étang garde de feu et de souffle. Après 20, verset 15. De toutes ces expressions, il ressort que l'enfer est une terrible réalité. L'enfer est une terrible réalité, certes. Des images sont employées. Feu, ténèbres, vers, pleurs, grincement des dents, etc. L'écriture parle un langage humain pour nous donner une idée de l'autre monde. Mais sa description est totalement différente des grotesques représentations du Moyen-Âge. L'idée qui domine dans donner une idée de l'autre monde, mais sa description est totalement différente des grotesques représentations du Moyen-Âge. L'idée qui domine dans tous ces textes est que l'enfer consiste en la séparation d'avec Dieu. L'enfer, c'est salier. Séparation d'avec Dieu. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. De Thessaloniciens 1, verset 9. Qu'est-ce que la géhenne? Ce mot est la transcription de l'hébreu Géhinnon, vallée de Hinnon, lieu maudit où certains Israélites et leurs rois infidèles avaient brûlé leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch. Ils ont brûlé petit en l'honneur de Moloch.
2 rois 23 verset 10. Il paraît que l'époque du Christ, on y conçut dans le même sens les thèmes des fournaises, les thèmes des ténèbres, les thèmes des ténèbres et des souffres, la souffrance de l'enfer. Les textes bibliques insistent beaucoup sur la honte, le tourment, les pleurs, les grincements des dents, la tribulation, l'angoisse, la peine qu'ils subissent les réprouvés. Daniel 12, verset 2, Luc 16, verset 23 à 24, Matthieu 13, verset 42, 2 rois, Romains 2, verset 8 et 9, Jude 1, 7 et l'apôtre Jean ajoute: la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 14, verset 10, 11. Ils ont sens par Apocalypse 14. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Wow. Verset 20. Après 20 verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps des feux et des souffles, où sont la bête et les faux prophètes. La bête et les faux prophètes étaient là déjà, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Comment imaginer une telle souffrance et surtout la concilier avec la conception d'un Dieu d'amour? Notons que la perdition sera causée précisément par le rejet de l'amour de Dieu. D'autre part, le Seigneur n'aura rien à faire pour tourmenter ceux qui ne veulent pas du salut, si ce n'est de les éloigner de lui. Le Seigneur éloigne de lui. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer, il est préparé pour le diable. C'est pour le diable. Il est préparé. Donc, n'a-t-il pas dit un jour aux Israélites, qui par incrédulité avait refusé d'entrer dans la terre promise: vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous connaissez ce que ça veut dire, privé de présence. Moi. Nombre 14, verset 34. Wow. Le châtiment sera proportionné à la responsabilité de chacun. Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Et chacun des impénitents sera jugé exactement selon ses œuvres. Regardons ensemble Apocalypse 20, verset 12-13. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre des vies, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
Wow. Ecclésiaste 11, verset 9. 11, 9. Non, plus ça. 12. Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36. Nous lisons ainsi. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Les hommes rendront compte de toutes paroles qu'ils auront proférées. La responsabilité des coupables sera évaluée selon les lumières reçues. Et ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Romains 2, verset 12. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Christel Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Pour la prochaine étude, nous allons voir ensemble la durée de l'enfer. Nous allons voir ensemble la durée de l'enfer. Partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas de questions, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, pour la semaine prochaine, nous allons voir ensemble la durée de l'enfer. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Partagez, faites des commentaires, like.